Bon, tu me dis, ah, c'est Tu veux le parti top? alors. Tu veux le top ou pas? Il n'y a pas le top? Allez, top départ. Top. Abraham, quel est ton rythme préféré? Toujours avec moi. Ton chéquéré. Mon tchékéré. Ouagbé, comme on se dit en Yoruba. Tchékéré. Regarde la résonance. Excellent. Quand ça porte.
Maman Farah encore s'il vous plaît, Irvine Akao. T'es plutôt peau synthétique ou peau naturelle sur tes congas? Naturelle. Naturelle. Les peaux d'origine ou alors des... N'importe, c'est mieux les peaux d'origine parce qu'en fait, les tambours, ça permet de communiquer. Hein. C'est un fût, une peau, et la communication, elle passe. D'accord. Et tu joues plutôt debout ou plutôt assis? Est-ce que c'est important? Ça dépend de formation. Par exemple, avec Ibrahim Malouf, comme c'est un grand projet, et debout, ça permet visuellement, même pour la scène, de mettre en valeur la percussion. Assis, c'est comme une petite formation, quartet, quintet, c'est une autre connotation. Assis aussi, je trouve qu'il y a une approche à la terre et à les mains, la position, c'est différent. Debout, c'est plus spectacle en fait. Tu m'avais parlé de la position de tes instruments dans l'espace, est-ce que tu peux me réexpliquer ça? La position que j'adopte, c'est très simple. Je pars du principe de la percussion classique, des mélangés des couleurs à droite, c'est les timbales, on va dire les sons timbales, cloches, indépendance. Au centre, c'est les tambours pour communiquer avec le public. Bongo, po, ça peut être trois congas, deux congas. Et à gauche, c'est les ambiances. Chimes, petites clochettes, tambourins, shakers. En fait, ça permet comment dire, faire un triangle de connexion entre trois éléments qui sont liés par une personne qui le joue. Et ça permet plein de couleurs différentes. C'est un passage où on peut faire cloche, congas. Notre passage où on peut faire chimes, triangle. Est-ce que tu as une citation philosophique qui accompagne ta vie et... C'est en espagnol en fait. C'est-à-dire, c'est « no coja lucha ». Ce qui veut dire ? C'est-à-dire, ne prends pas la tête. « No coja lucha », c'est à chaque chose que tu fais, fais-le avec ton cœur et vas-y. Est-ce que tu as des... Je sais que pour les percussionnistes, c'est important. Est-ce que tu as des cloches qui sont, par exemple, plutôt attribuées au timbales ou des cloches plutôt qui sont plus harmonisées avec les congas ou... Oui, c'est possible. Ouais. Par exemple, ça dépend si ça dépend du projet, ça dépend du style. Si c'est là, comme c'est l'occasion fusion, j'utilise des grosses cloches, j'utilise des mélanges, je mélange les couleurs, je me permets. Après, dans mon projet personnel, j'ai mes cloches spécifiques avec des détails, des sons, des sonorités. Là, je suis méticuleux. Mais quand c'est des fusions, je suis ouvert. En fait, j'essaie de rester personnellement pour mes projets très carrés, mais quand j'accompagne quelqu'un d'autre, le plus d'ouverture possible. Comme ça, tout est possible. Donc pour avoir le plus d'ouverture, tu prends des cloches un peu plus grosses. Plus grosses et aussi des sonorités différentes. C'est que je n'ai pas l'habitude. D'accord, ok. Ta particularité de jeu dans tes fières? Ça vient de l'école cubaine. D'accord, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer en deux mots? L'école cubaine, en fait, on commence déjà la percussion. Il y a deux écoles à Cuba. Ouais. Il y a l'école des gens qui ne passent pas le conservatoire, qui se forment, qui sont nés dans un endroit qui commence avec la rumba, les tambours, ils deviennent musiciens professionnels. Il y en a plein à Cuba comme ça. Mais moi, j'ai fait le classique, c'est-à-dire, j'ai fait l'examen au conservatoire, j'ai passé l'examen, après j'ai monté, on va dire, un grade, j'ai commencé au petit conservatoire, après j'ai monté à niveau 1, et après j'ai fini à l'université des arts à Cuba. Et pendant tout ce temps-là, on a étudié la musique classique, tous les Mozart, Bach, Beethoven, et en plus de ça, la richesse de la percussion afro-cubaine. D'accord. Et là, je suis fier, vraiment fier d'avoir eu les deux, on va dire, les deux univers. Parce que c'est en fait, c'est comme deux langues différentes, mais en fait, c'est la même chose. Ouais, c'est la musique. C'est la musique. Ouais. C'est la musique, c'est-à-dire les percussionnistes classiques. Ils utilisent pas mal de baguettes, sonorités, ils sont dans la recherche. Les traditionnels sont dans les frappes, les rythmes, la tournerie, c'est une autre approche. Et les mélanges des deux, je trouve que c'est magnifique. Ouais. Parce que même quand tu fais tourner avec un shaker, tu dis oui, mais on peut faire ça, on peut faire les tics accents. Quand tu es musicien traditionnel, tu as une autre attitude.
En fait, j'aime bien, c'est comme switcher. Là, c'est traditionnel, oublie les couleurs, il frappe. Là, c'est la nuance. La nuance, les couleurs, et peut-être rien. Parce que c'est ça aussi. Trois mots qui caractériseraient tes instruments LP, Latin Percussion. Trois mots forts. Trois mots forts. Pour moi, c'est tradition, précision, qualité. Joli. Pourquoi la tradition? Patato Valdés, Mongo Santa Maria. Même si au départ, maintenant il est chez quelqu'un d'autre, Tito Puentes, Giovanni Hidalgo. Il y a toute une tradition des grands percussionnistes qui sont là-dedans dans le monde. Et même d'autres. Pas que afro-cubain, il y a d'autres brésiliens, Aitor Moreira, d'autres qui sont travaillés, collaborés avec Latin Percussion. Et puis des instruments qui sont accordés depuis le début entre eux. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça, quand tu achètes un instrument d'aujourd'hui, il peut correspondre à un ancien instrument d'il y a 20, 30, 40 ans. Quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué particulièrement? Un film? Matrix, excellent. Est-ce que tu es un adepte du quinto? Pas dans les sets des percussions. Parce qu'il y a une approche, le quinto est venu après. Hein? Et le quinto est venu après, mais moi je préfère conga, conga, tumba. D'accord. Dans les sets que j'utilise. Le quinto pour moi, c'est que pour la rumba. D'accord. C'est le côté traditionnel qui sort. Oui, oui. Tu vois, c'est la tradition. C'est quinto, c'est pour la rumba, tu montes à fond. Ok. Il y a des phrases, C'est le quinto, c'est magnifique. Est-ce que tu as un disque que tu écoutes souvent, qui revient comme ça, tout le temps? Maintenant, c'est par période. Période. À une époque, c'était Doudou India Rose. À une autre époque, c'était Reality Parallèle de Pat Metheny et Jazz Dejeuner. Ouais. À une époque, c'était Los Bambins. À une autre époque, des groupes différents. Même j'ai écouté Ultramarine. Akamou aussi, un groupe belge d'évolution. Mais maintenant, actuellement, c'est Rhapsodia Rumbera. C'est un disque de rumba. Et là, je prends ça comme en faire. C'est ma méditation de chaque jour. Parfois, je le fais avant de me coucher ou le matin. Je dis Rhapsodia Rumbera. J'écoute, je passe à autre chose. D'accord. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Un super pouvoir? Oh. Non, je ne voudrais pas un super pouvoir. Qu'est-ce que tu voudrais alors? Je voulais pouvoir partager la musique avec tout le monde. Ah, c'est beau. C'est pas un super pouvoir, c'est simplement de partager avec les gens. C'est une Parce envie, que super pouvoir, ça te donne la puissance sur quelqu'un d'autre. Et non, je ne veux pas ça. D'accord. Je veux être en partage. Ah, c'est beau ça. Ça crée. Non. On partage. Ah, c'est beau. Et un gros mot favori? Un gros mot que tu sors souvent? Epa. Ce qui veut dire? Rien. Epa. C'est quoi? On y va, Epa. D'accord, c'est un gros mot ça. Non, c'est pas un gros mot. Un gros mot, c'est rare. Je dis pas un gros mot en fait. Non. C'est rare. Tu dis, allez, on y va. Non, Epa. Peut-être corone peut-être, mais en espagnol je dis en espagnol, mais d'accord. En français je dis jamais. Et même en espagnol, il y a des copains qui disent, mais tu ne dis pas de gros mots? Je dis non, c'est pas que je m'interdis pas, c'est que non, c'est insultant en fait. D'accord, parfait. Ben il n'y a plus que le petit truc du batteur là, hein. Et puis il faudra découper quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pas mal. Caméraman.